Allez, en direct avec Benjamin Moulinier sur Radio Olympique TV. Alors Benjamin, parle-nous un peu de cette victoire de Vielmeur-sur-Agoute. Ça te fait quoi? Parce que bon, Marsac, c'est bas du tableau, mais bon, cette victoire, elle fait plaisir aux joueurs de Vielmeur et surtout pour à la course, cette quatrième place, ça fait toujours des points. Oui, c'est sûr. Disons que là, maintenant, tous les matchs, il faut les gagner parce que on se retrouve en milieu de tableau et on cherche la qualification et à domicile, il ne faut pas se trouver, quoi. Donc, même si jamais ce n'était pas une belle victoire, bon, quand même, on retiendra la victoire avec 4 points, quoi. Ouais, un match qui a été haché par en 20-30 fautes de main. Tu peux nous parler un peu de cette discipline? Ouais, je sais pas ce qu'on avait. Beaucoup de mauvaises passes, de ballons tombés, de mauvais choix, de mauvais coups de pied. C'est vrai que énormément de fautes individuelles, hein, et ça nous a coûté cher, quoi. Ça nous a coupé pas mal d'attaques et donc du coup on n'arrive pas à scorer, quoi. C'est le problème. On se retrouve dans leur but. Dans leur camp plusieurs fois et on n'arrive pas à marquer, on n'arrive pas à concrétiser à cause de ces fautes de main, quoi. Quel est l'objectif du club à la fin de la saison et voire plus tard? Pour l'instant, pour la fin de la saison, des objectifs. Au départ, on ne s'en était pas trop mis. On a dit il faut le faire jouer les matchs un par un, gagner tout ce qu'on peut, ne pas se louper à domicile. Et maintenant l'objectif il est clair, quoi, il faut se qualifier. C'est là pour cette saison, c'est se qualifier. Et puis après. Pour le reste, pour les autres années, c'est garder un groupe. On a quand même un bon groupe avec une bonne ambiance où c'est que voilà, c'est un mélange entre un peu anciens et jeunes. Et on essaye de garder ça, quoi. On essaye de garder ce groupe. Moi, je suis persuadé qu'on pourra l'amener loin, même si on restera à notre niveau. Hein. De toute façon, on n'a pas de grandes prétentions. Mais voilà, il faut garder ce groupe pour les années à venir, quoi. Il y a des jeunes à Vielmeur, comment ça se fait qu'on fait confiance à ces jeunes qui montent juste? Déjà, pour certains, on n'a pas trop le choix. On manque un peu d'effectifs. Non, je plaisante. Mais c'est des jeunes, beaucoup de jeunes qui ont déjà fait l'école de rugby, qui ont fait cadet junior dans le coin et qui ont déjà de très bons. Qui sont vraiment pas mauvais, quoi. Donc, du coup, en plus, bon, nous, on manquait un peu d'effectifs. Donc, voilà, ces jeunes qui arrivent, ça fait du bien. Et forcément, ils jouent, on leur donne des temps de jeu parce que c'est bien pour cette année. Mais il faut qu'ils aient des temps de jeu aussi pour les saisons prochaines, quoi. On voit un peu dans l'avenir. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin. On se retrouve tout de suite pour l'interview du capitaine de Marsac, pardon.